petite vidéo tuto pour vous permettre de hacker votre Taito Aigrette 2 Mini. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'une carte mémoire au moins de 16 Go. Je pense que c'est vraiment le minimum qu'on pourra utiliser donc sur la machine. On aura également besoin d'un câble USB AA. Et maintenant, on se dirige sur le PC. Vous avez les liens qui sont dans la description pour télécharger donc le premier soft qui est le Raspberry Pi Imager. Voilà, vous le téléchargez. Donc, vous prenez la version qui vous est adéquate sur votre système. Ici, on va utiliser Windows. Le deuxième lien, c'est pour aller sur la page du créateur du hack, c'est-à-dire son GitHub. Donc, le lien est dans la description. Vous descendez la page et vous arrivez sur les liens de téléchargement. Donc il suffit de télécharger les deux premiers liens, l'image, l'autre et la partie donc, de l'installation. Vous aurez les deux fichiers que vous laisserez par exemple sur votre desktop. Après avoir installé le premier soft qui est le Raspberry Pi Imager, il vous suffit donc de mettre votre carte mémoire dans votre PC, d'appuyer sur le premier bouton qui est le Choose OS. Donc on va choisir l'OS qu'on a téléchargé sur le GitHub. Voilà, il y a un menu qui va apparaître. On va utiliser l'option, la dernière option qui s'appelle Use Custom. Dans cette même option, donc on va choisir ce qu'on a téléchargé tout à l'heure sur le GitHub. Le Batocera, l'image de Batocera qui va être utilisé. On fait ouvrir. Seconde option, on va choisir donc notre média qui va être la carte mémoire qu'on va utiliser. Donc on va appuyer sur le bouton Choose Storage et on va choisir tout simplement notre storage qu'on va utiliser, donc la carte mémoire en question. Donc dès que les deux options sont sélectionnées, on appuie sur Write et cela va enregistrer sur votre carte mémoire l'image de Batocera. Il suffit donc de prendre votre carte mémoire et de l'insérer dans votre mini board. On en profite pour brancher l'alimentation sur votre mini board, mais en laissant le bouton Off. Juste après, on utilise le câble MAL AA qu'on va brancher sur le port 2 du deuxième player et l'autre bout, vous allez le brancher sur votre USB de votre PC. On se retrouve donc sur les fichiers qu'on avait laissés sur le desktop. On va sélectionner cette fois-ci le fichier qui s'appelle Aigrette Install. On va le décompacter sur notre desktop, voilà, ce qui va créer un petit dossier. On va ouvrir ce même dossier. Et on va retrouver donc tous les fichiers qui vont servir pour faire l'installation. Comme on utilise Windows, on va utiliser le premier fichier qui est le E2M Backup and Install.bat. Voilà, il suffit donc de cliquer dessus, ce qui va nous ouvrir une fenêtre MS-DOS avec quelques petites indications. C'est appuyer sur une touche, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. En appuyant sur la touche, on a la recherche qui se fait de votre mini board. Et là, en fait, on va laisser passer quelques secondes et on va aller sur la petite borne et on va passer le bouton sur On. En passant le bouton sur On, le PC va détecter une activité et donc va installer tous les fichiers nécessaires pour le hack. Et dès que c'est fini, vous verrez votre mini board qui va faire un petit reboot. Vous aurez le Taito normal, suivi d'un petit écran de loading avec les ennemis de Space Invader. Et là, normalement, vous avez votre Batocera qui va booter. Au début, ça peut être très long parce que ça va décompacter tout ce qui est partie Batocera. Ça peut même faire un reboot. Et après, dès que c'est fini, ça va lancer votre Batocera normalement. Donc pour l'instant, c'est une version alpha. Donc on est loin d'avoir une version parfaite, vraiment optimisée, sans bug, etc. Mais tout ça va évoluer avec le temps. Il suffira de reflasher votre carte mémoire pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, on a une version que j'avais préchargée avec quelques jeux pour que vous puissiez voir les menus, etc. Ce qui est possible de faire.
Mais en tout cas, je vous laisse en profiter maintenant de votre aigrette 2 mini. Et en tout cas, si vous avez aimé le tuto, les vidéos, etc., donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça aide vachement. N'hésitez pas à venir sur les streams de Twitch aussi et de vous abonner là-bas. Ça nous aide. Et n'hésitez pas aussi de venir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour suivre, être averti des streams, discuter un petit peu, etc. Donc en tout cas, je vous laisse voir à la fin quelques petites possibilités de jeu sur l'aigrette. Merci à tous une fois de plus et n'oubliez pas, pouce vers le haut, abonnement et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao !